الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 24 من شهر ذي الحجة عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس 30 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله والفصل متعلق بغزوة خيبر. Nous sommes le 18 octobre 2014 et aujourd'hui nous allons entrer, si Allah nous l'accorde, dans le 30e cours de l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم basé sur le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes dans le chapitre en relation avec l'expédition dite de Khaybar. Cette expédition avait pour but de conquérir le village de Khaybar, dans lequel se trouvaient des gens ou un peuple de juifs, parmi lesquels ceux qui ont été expulsés de Banu Nadir et qui ont rejoint Khaybar et autres. Ceci après la trêve sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis d'accord avec le peuple de Quraysh. Ils se sont mis d'accord que pendant 10 années consécutives, il n'y allait plus avoir de combat entre les musulmans et Quraysh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc profité de cette occasion qui lui a été donné pour conquérir les différentes contrées ou villages dans le but d'agrandir le nombre de musulmans et aussi de grandir en termes de force et financièrement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est emparé de la ville ou du village de Khaybar où se trouvaient ces juifs qui se sont mis d'accord avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui ont dit qu'ils s'engageaient à travailler pour lui et à cultiver les palmerins de Khaybar, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenne la moitié et l'autre moitié sera pour eux. Ceci au lieu que le prophète les expulse de Khaybar et qu'il aille vivre autre part, comme il l'a fait avec ceux de Banu Qurayza ou encore ceux de Banu An-Nadir, Banu Qaynuqa aussi, Banu Nadir aussi, Banu An-Nadir et Banu Qaynuqa. Quant à Banu Qurayza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exécutés avec ses compagnons radiallahu anhum. Et n'hésitez pas à me corriger si vous voyez que j'ai fait une erreur. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a également cité qu'après cette expédition et en avoir pris le butin, il a choisi d'épouser sa fille bint Huyay ibn Akhtal, qui était la fille d'une des têtes pensantes de cette tribu de Banu Nadir. Et donc elle a embrassé l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchie, car elle était captive. Il l'a affranchie et l'a épousée. Et par cela, elle est devenue la mère des croyantes, radiyallahu ta'ala anha. Parmi ce qui s'est produit dans cette expédition, ce que nous dit Ibn Kathir, rahimahullah, « فَقَدْ أَهْدَتْ إِلَيْهِمْ رَأَةٌ مِّنْ يَهُودِ خَيْبَرٍ وَهِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِمْرَأَةُ سَلَّامِ بْنِ مِشْكَمٍ شاة مصلية مسمومة فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم فترك الأكل ودعا باليهودية واستخبرها أسممت هذه الشاة فقالت نعم فقال ما أردت إلى ذلك فقالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت غيره استرحنا منك فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقيل إن بشر بن البراء
ابن معرور كان ممن أكل منها فمات فقتلها به صلى الله عليه وسلم. وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله. ابن كثير رحمه الله تعالى dit: une juive de Khaybar nommée Zainab, fille de Al-Harith, la femme de Salam ibn Mishkam, offrit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un mouton rôti dont la viande avait été empoisonnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mordit alors un morceau du gigot du mouton, mais informé par le gigot qu'il était empoisonné, il laissa la viande et fit venir la juive qu'il interrogea en ces termes: as-tu empoisonné la viande de ce mouton? La juive ayant répondu par l'affirmative, il poursuivit: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit: je voulais savoir si tu étais vraiment un prophète, auquel cas ce poison ne t'aurait nullement nui. Si ce n'était pas le cas, nous aurions été débarrassés de toi. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui pardonna donc son acte. Donc, ici Ibn Kathir nous parle de cette femme juive de Khaybar, nommée Zainab bint al-Harith, qui est l'épouse de cet homme juif qui répond au nom de Salam ibn Mishkam. Cette femme a décidé d'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau de mouton, particulièrement l'épaule du mouton, car l'épaule du mouton était très aimée du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais cette femme avait décidé d'empoisonner cette viande, ceci afin de voir que si le prophète sallallahu alayhi wa salam était véritablement un messager envoyé par Allah azza wa jal, alors Allah le préservera du mal de ce poison. Et dans le cas où il ne disait pas vrai et qu'il n'était pas véritablement un messager, il mourra de ce poison et les gens se débarrasseront de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est raconté dans des versions de ce récit, a pris un morceau de cette viande qu'il a mis à sa bouche. C'est alors que le morceau de cette viande s'est mis à parler. Allah tabaraka wa ta'ala a fait parler cette viande, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je suis empoisonné, ne me mange pas. Allahu Akbar. Et le prophète alayhi salatu wa salam a immédiatement fait sortir cette viande de sa bouche qu'il n'avait pas mangée alayhi salatu wa salam. Et malgré ceci, sachez que le poison est entré dans son corps alayhi salatu wa salam. Et le poison ne va cesser de lui faire mal jusqu'à la maladie qui causera sa mort. Il est rapporté chez Al-Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse, juste avant de mourir: « La azalu adidu ta'ma as-sum alladhi wada'athu al-yahudiyya. » Je ne cesse de sentir le goût du poison ou le mal du poison injecté par la femme juive dans la viande qu'elle m'a offerte. Subhanallah. Et certains savants disent même que c'est de cela qu'il est mort. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, le prophète a bien été empoisonné par cette personne. Quand la viande a parlé, le messager sallallahu alayhi wa sallam a recraché ce morceau de viande. Puis il a convoqué cette femme juive en lui demandant: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Pourquoi est-ce que tu m'as empoisonné? Qu'est-ce que tu recherchais? Cette femme lui dit: je voulais savoir si tu étais vraiment un prophète, auquel cas ce poison ne t'aurait nullement nui. Si ce n'était pas le cas, nous aurions été débarrassés de toi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces paroles, il a décidé de pardonner à cette femme. Mais selon d'autres, il ordonna qu'elle soit mise à mort, car, dit-on, l'homme qui s'appelle Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour
mangea de la viande empoisonnée qui provoqua sa mort. Abu Daoud rapporte cela d'après Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, mais sans faire référence au compagnon qui transmet ce récit. C'est-à-dire qu'il y a discussion sur l'authenticité de ce récit et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Il est dit que le prophète alayhi salatu wa salam a pardonné à cette femme, mais comme ce compagnon avait mangé de cette viande, il a été empoisonné. Cet empoisonnement a provoqué sa mort. Suite à cette mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné que cette personne coupable de cet empoisonnement soit exécutée du fait qu'elle-même a été la cause de la mort injustement d'une personne. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant. Donc, le prophète a bien été empoisonné, ce récit est véridique. Il est d'ailleurs rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Ibn Kathir dit, وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70 وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراد الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر لا أدري بأيهما أنا أسر أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم Ajma'in. Ibn Kathir conclut ce chapitre en disant au cours de l'expédition de Khaybar, mais après les combats, arrivèrent Ja'far ibn Abi Talib et ses compagnons, de retour d'Abyssinie avec le reste des musulmans qui y avaient émigré, accompagnés d'Abu Moussa al-Ash'ari et des membres de sa tribu dont le nombre dépassait les 70. C'est-à-dire que les personnes dont vous venez d'entendre les noms parmi les compagnons sont ceux qui étaient allés émigrer vers l'Éthiopie actuelle, l'Abyssinie. Et seulement après la bataille de Khaybar dont nous parlons, ils sont revenus rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est-il? C'est le frère de Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un homme très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui faisait d'ailleurs partie des compagnons très aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: je ne sais pas ce qui me réjouit le plus, la conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. Ce qui nous montre que Ja'far était très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far était le grand frère de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il nous dit également, se présentèrent également au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira et d'autres compagnons. Abu Huraira s'est converti à l'islam 3 ans avant la conquête de la Mecque. 3 ans avant la conquête de la Mecque. Et pourtant, il est le compagnon qui a rapporté le plus grand nombre de récits prophétiques qu'il a entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il n'était occupé par rien d'autre qu'accompagner le messager sallallahu alayhi wa sallam, et préoccupé par rien d'autre que mémoriser ses dires et ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Tous reçurent la part du butin qu'Allah Tout-Puissant le chargea de remettre à chacun. Après la conquête de Khaybar, il y avait un butin. Ce butin a été
Ce butin a été, rappelez-moi le mot, partagé, barakallahu fikum, a été partagé aux compagnons qui étaient présents avec lui à Khaybar. À l'arrivée de Ja'far, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je ne sais pas ce qui me réjouit le plus, la conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. Malgré le fait que la conquête de Khaybar était une grande chose, puisqu'après celle-ci, les compagnons ne connaissaient plus la pauvreté. À un point où ceux qui avaient immigré vers Médine et qui avaient emprunté des choses aux habitants de Médine, l'Ansar, que ce soit des ustensiles ou autres, n'avaient plus besoin de ces choses qu'ils avaient empruntées et leur avaient rendues. Et ils étaient tous riches. Et comme l'a cité Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, des paroles qui veulent dire qu'on n'a jamais reçu des richesses plus grandes que celles qu'on a gagnées après Khaybar. En le voyant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva et l'embrassa sur le front. Une vingtaine de musulmans qu'Allah les agrée tombèrent en martyrs à Khaybar. Le prophète s'est levé pour Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu et l'a embrassé sur le front, particulièrement au milieu de ses yeux ou bien entre ses deux yeux, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que l'auteur a conclu le chapitre en relation avec l'expédition de Khaybar. Qala rahimahullah faslun. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إليه يطلبون منه الصلح فأجابهم فكانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله عز وجل ولم يقسمها. ابن كثير دي informé du sort réservé aux juifs de Khaybar par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de Fadak lui envoyèrent un émissaire l'informant de leur volonté de conclure un traité de paix avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant accédé à leur requête, Fadak fut conquise sans que des combats soient engagés par les musulmans. Par conséquent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam employa le butin de Fadak conformément à la volonté d'Allah sans que les combattants musulmans n'en reçoivent la moindre part. Fadak, c'est le nom d'un endroit qui se situe dans la péninsule arabique et qui est très connu pour ses nombreuses palmeraies et ses champs de labour très fructifs. Et lorsque les habitants de cet endroit, Fadak, ont entendu quel fut le sort des Juifs de Khaybar, la peur s'est emparée d'eux. Et ils se sont dit, il vaut mieux que l'on fasse un traité avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est meilleur de faire cette chose que de subir le même sort subi par les Juifs de Khaybar. Et donc, ils se sont mis d'accord avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a dit Ibn Kathir, de conclure un traité de paix avec lui. Et dans ce traité, il était dit que Fadak va donner au messager la moitié de ses terres. Vous ne lisez pas ici, mais c'est ce qui a eu lieu. Fadak a donné la moitié de ses terres au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc un butin gagné facilement sans pour autant qu'il n'y ait de combat ni de bataille. Et c'est ainsi que se conclut ce chapitre. Qala rahimahullah ta'ala faslun wa raja'a ila al-madinati ala wadi al-qura faftatahahu wa qila innahu qatala fihi fallahu a'lam. Wa fi as-sahihayn anna ghulaman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam يدعى مدعما بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من الغنائم
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. Ibn Kathir dit, de retour à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa par Wadi al-Qura, qu'il conquit avec ou sans combattants, selon les sources. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique qu'un esclave affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, appelé Mid'am, fut au moment où il descendit la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tué par une flèche décochée par un ennemi embusqué. Les musulmans dirent, quel bonheur pour lui d'être tombé en martyr, ô messager d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, pas du tout. Par celui qui tient mon âme dans sa main, le manteau qu'il a dérobé dans le butin avant le partage, le fera brûler dans le feu. Subhanallah. Les savants historiens ont divergé sur cette bataille. Est-ce qu'il y a eu de combat ou bien il n'y a pas eu de combat? C'est pour cela qu'Ibn Kathir a dit qu'il conquit avec ou sans combat, pour faire allusion au fait que les historiens ont divergé, sans pour autant juger telle ou telle parole prépondérante. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était de retour à Médine, passa par cette vallée qui s'appelle la vallée de Al-Qura, Wadi Al-Qura, et il conquit cette vallée sallallahu alayhi wa sallam. Et après conquête, comme vous le savez, il y a butin. Et il y a une chose qui fait partie des péchés majeurs dans l'islam qui s'appelle Al-Ghuloul. Al-Ghuloul consiste à ce qu'une personne prenne une part du butin avant que celui-ci ne soit partagé. C'est une sorte de vol. Et c'est un péché qui est très grave. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَنْ غَلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et celui qui prend le butin avant qu'il ne soit partagé viendra avec ce qu'il a pris le jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'il devra rendre des comptes. Pourquoi est-ce que tu as pris cette part avant qu'elle ne te soit donnée ou avant qu'elle ne soit partagée? Et il nous dit qu'un homme qui s'appelait Mid'am était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il descendait la selle du prophète au sol sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont fait halte. Il a pris la selle sur la monture pour la poser au sol sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des meilleures actions, il a été touché par une flèche et personne ne sait d'où cette flèche est venue. C'est pour ça qu'il dit un ennemi embusqué. On ne sait pas d'où cette flèche est arrivée. Et cette flèche a causé sa mort. Les compagnons se sont dit, quel bienfait qu'il a reçu d'Allah, quel bonheur pour lui d'être tombé en martyr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas du tout. Par celui qui tient mon âme dans sa main, le manteau qu'il a dérobé dans le butin avant le partage le fera brûler dans le feu. Subhanallah. C'est-à-dire que cet homme s'est fatigué avec le prophète alayhi salatu wassalam, a participé avec lui, a éprouvé avec lui, a enduré avec lui, mais malgré cela, il a commis un péché qui l'introduira dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Et ici nous venons, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé par la révélation. Car le prophète ne connaît pas l'avenir ou l'invisible, mais il ne connaît que ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui révèle et informe. Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Kathir rahimahullah faslun. ولما رجع إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها ومنهم من يجعلها قضاء من عمرة الحديبية حيث صد ومنهم من يقول عمرة القصاص والكل صحيح فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته
وتزوج بعد إحلاله ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وتمت الثلاثة الأيام فبعث إليه المشركون عليا رضي الله عنه يقولون له أخرج من بلدنا فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم فأبوا عليه ذلك وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. ابن كثير رحمه الله تعالى أدي De retour à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y demeura jusqu'au mois de Dhul-Qi'dah. Le mois de Dhul-Qi'dah est le 11e mois de l'année lunaire du calendrier de l'Hégire. Il quitta alors la cité, c'est-à-dire la ville de Médine, avec l'intention d'accomplir une umra qui sera surnommée Umratul Qadha. Le Qadha, ce qui est voulu par Al-Qadha, c'est le rattrapage, le fait de rattraper quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle Umratul Qadha? C'est pour rattraper la Umra qu'il n'a pas pu faire le jour du traité de l'Hudaybiyya. Il va rattraper cette Umra qu'il n'a pas pu faire. Car selon certains, il s'agissait de la Umra à propos de laquelle il avait conclu avec Quraysh, la trêve d'Al-Hudaybiyya. Ou selon d'autres, car elle venait en compensation de la Umra d'Al-Hudaybiyya que les polythéistes l'avaient empêché d'accomplir l'année précédente. Salam alaykoum. Ça va ? D'autres encore la surnomment Umratul Qisas, la Umra de compensation. D'ailleurs, toutes ces explications et ces appellations sont justes. Arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y effectua donc une umra en accomplissant le tawaf autour de la maison sacrée. Puis, après avoir quitté l'état de sacralisation, il épousa Maïmouna bint al-Harith, qui deviendra donc la mère des croyants, les 3 jours accordés aux musulmans séculaires. Les polythéistes lui firent donc savoir par l'intermédiaire de Ali radiallahu anhu qu'il devait maintenant quitter leur cité. Il dit alors, qu'est-ce que cela leur coûterait si je consommais mon mariage avec Maïmouna dans leur ville? Mais les polythéistes lui refusèrent ce droit, eux qui par animosité et haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient quitté la Mecque dès son entrée dans la ville. Le messager sallallahu alayhi wa sallam quitta donc la Mecque victorieux par la grâce d'Allah. Quant à sa nuit de noces avec Maïmouna, elle eut lieu sur le chemin du retour à Médine dans un lieu appelé Sarif. Salim, il y a des sacs pour les convertis ou pas? Est-ce qu'il y a des cadeaux? Les cadeaux qu'ils donnent d'habitude, il n'y en a pas? Tu lui dis qu'il n'y en a pas? Dans ce chapitre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous parle de ce jour où le prophète avait conclu un traité, sallallahu alayhi wa sallam, avec le peuple de Quraysh, dans lequel il s'était mis d'accord avec eux qu'ils devaient quitter Hudaybiyah, annuler la Umrah, et qu'ils pourraient la faire l'année suivante, c'est-à-dire l'an 8 de l'Hégire. Et c'est donc ce qui s'est passé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est revenu comme promis l'année suivante pour accomplir sa Umra. C'est celle qui a été appelée la Umra de compensation ou de rattrapage ou autre. Toutes ces noms parlent de la même chose. Cette Umra qu'il devait refaire et qu'il n'avait pas pu faire l'année précédente. C'est pour ça qu'il nous dit toutes ces explications et appellations sont justes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, il effectua la Umra en accomplissant le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, c'est le fait de circuler en rond, de tourner autour de la Kaaba, sallallahu alayhi wa sallam, autour de la maison sacrée. Puis, après avoir quitté l'état de sacralisation, il épousa Maïmouna bint al-Harith. Et Maïmouna, radiallahu anha, faisait partie des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
et était donc la mère des croyants, radiyallahu ta'ala anha. Puis il dit les trois jours accordés aux musulmans séculaires. De quoi est-ce qu'il parle, Abdel Ghani? De quoi est-ce qu'il parle? Naam. Il parle des trois jours qu'ils devaient respecter, sur lesquels ils s'étaient mis d'accord dans le traité qu'ils avaient conclu. Ils s'étaient mis d'accord avec Quraysh qu'ils devaient rester à Mecca trois jours. Et après ces trois jours, ils devraient quitter. Et dans certaines versions, il est dit que quand le messager est arrivé à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, les koufars de Quraysh ont quitté la Mecque. Ils ne voulaient pas être avoisinés, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ils ne voulaient pas être à côté de lui, tellement ils le détestaient. Ils sont partis sur des sommets de montagnes élevées et le surveillaient de loin en attendant qu'il quitte la Mecque. Trois jours après, ils ont envoyé une personne, un émissaire, à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pour lui dire: va voir Mohammed et dis-lui, les trois jours sont écoulés, sors de chez nous, va-t'en. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'épouser Maymouna radiyallahu anha, qui était de la Mecque, il a essayé de négocier avec eux, de rester encore un peu, le temps de consommer son mariage, en d'autres termes, d'avoir ses premiers rapports sallallahu alayhi wa sallam avec son épouse pure radiyallahu ta'ala anha. C'est pour cela qu'il a dit: qu'est-ce que cela leur coûterait si je consommais mon mariage avec Maymouna dans leur ville? Mais les polythéistes lui refusèrent ce droit. Eux qui, par animosité et haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient quitté la Mecque dès son entrée dans la ville. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta donc la Mecque victorieux par la grâce d'Allah azza wa jal. Quant à sa nuit de noces avec Maymouna, elle eut lieu sur le chemin du retour à Médine, dans un lieu appelé Sarif. Et également, lorsqu'ils ont pris le chemin du retour vers Al-Madinah, vers Médine, Umara bint Hamza, radiyallahu anha, la fille de Hamza, l'oncle du prophète paternel, sallallahu alayhi wa sallam, a fui de la Mecque. Elle a quitté les Mécois pour rejoindre les musulmans. Et les compagnons ont tous voulu s'occuper et prendre soin de la fille de Hamza, radiyallahu anha wa anhuma wa an as-sahabati ajma'in. Et donc ils se sont disputés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé que la personne qui allait s'occuper de Umara bint Hamza, la fille de Hamza, sera Maymouna bint al-Harith, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa tante. Elle est la sœur de sa mère. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith: al-khala bimanzilatil umm. La tante maternelle est comme la mère. Pour montrer l'importance de la tante maternelle, celui qui perd sa mère, il peut encore être bon envers sa mère en étant bon envers sa tante maternelle. C'est dans cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce récit. Et c'est ainsi que l'imam Ibn Kathir a conclu ce chapitre concernant la Umra de l'Hudaybiyah. Puis il va passer au chapitre concernant la mission de Mu'ta, celle dans laquelle des compagnons très célèbres vont tomber en martyr et vont être assassinés par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fera l'objet de notre prochain cours, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك